Cool.
Marseille. Ouais, c'est la poule 1. La poule 2, Villa, Gila, Chiesa, Yogi, Zero, Gerasov, Varit. On vous démerde pour les 7, j'ai le droit. Si on a sur le chat qui savent à quel point on en est, dites-le. Pardon. Du coup. Bah, il fait un bruit dégueulasse. Little man.
posé sur YouTube les vidéos ou pas? Ouais, je l'ai fait, sinon tant pis. Ouais, t'es avec moi, Yoyote. Yoyote, t'es dans la poule 1. Pas mal, toi. Yoyote, t'es avec Yata et moi. Moi, je fais le truc. J'ouvre à la fin. Non, je suis merdé ou pas mal. Let's go.
Yeah.
Mathieu. Ah. Comment
Du coup là, les gens m'entendent. D'accord, bonjour à tous et à toutes. Très bien. Foster qui vous parle, on est ici du coup en direct du Revival of Jinja. Donc hier si vous étiez là sur le stream, c'était pour du Melee. Aujourd'hui c'est pour du Smash 4. On a la crème montpelliéraine qui s'est rassemblée ici avec certains joueurs également venus de Lyon, notamment du coup également des joueurs de Nîmes hein, si on compte Yatal. On voit juste derrière Yann Esnegar en train de jouer. On a du Fila, on a du Gila, on a du Keza, on a du Zisnek, on a du Joy, donc le tournoi géré par El Piero. Et voilà, grosso modo, hein, ça c'est les grosses présentations. Très bien, il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, on a le chat juste sous les yeux. Il paraît qu'il y a un petit grésillement, et malheureusement, c'est difficile de trouver une solution. Si jamais ça devient insoutenable, j'éviterai de gueuler trop fort pour vous. Et comme ça devrait pouvoir passer normalement. En tout cas, n'hésitez pas, du coup, on a le chat juste. N'hésitez pas aussi à tweeter sur le hashtag de l'événement. Hashtag Revival of Jinja avec un 4 à la place du 1. Check, on surveille, ne vous inquiétez pas. Du coup, on est dans la phase de poule. Tiens, j'ai même toute la liste des joueurs, c'est génial, je vais pouvoir vous la donner. Il me manque Svari dans la liste, ça ne fait rien. On est donc une quinzaine, on a Piero. On a Fila, on a Kessa, on a... Oh, Purgay, il devait venir, il est pas venu.
Purga, si t'es sur le chat, tu déconnes, sérieux. Gila, on a Chutkar qui est redescendu de Paris. Je sais pas si. Ah, t'es plus du tout à Paris, toi. D'accord. On dit un Perpignanais. Perpignanais. Très bien. De Perpignan. Yoyo de Sugiro. Yogi. Yogi. Yataganatosis Neko Evdine. Sinogara et donc Svari également. Alors, bref, c'est rapidement présentation des gens. On n'est pas énormément, malheureusement, hein, c'est un peu triste. Je pense que vous étiez venu, on n'a pas de caméra non plus pour vous montrer, mais les locaux sont juste franchement énormes. Quoi. On est bien dans une petite salle toute posée, pépère. Et franchement, si vous aviez, si jamais vous rêviez d'une chambre, c'est cette chambre-ci que vous rêvez, je veux dire. Il y a vraiment tout. Hein. Vous êtes calé, vous êtes posé, il y a les setups, il y a les gens, c'est la bonne ambiance. Voilà, je suis en train de dire ça, je veux dire, et les gens autour de moi sont d'accord, ils sont en train en mode oh, non mais carrément, je veux dire. On est vraiment bien, je veux dire. Si vous avez l'occasion, si vous êtes de Montpellier, si vous êtes d'autour, venez au Jinja Manga. Ça va être énorme. Juste énorme. Alors, voyons voir un peu ce match. Oh là, mais ça va se faire 3 stocks. Si je jette un nez rapidement sur l'écran, rapidement, et c'est compliqué. Dommage à Cap pour envoyer la boule. Malheureusement, un peu basse. Hein. Yatta l'avait lu. Mais il était un peu bas. Oh, ça faire, ça ne suffira pas. Ça fait son petit wall jump pour revenir tranquille. Hein, il avait le temps. Tentative un peu bas, mais non, il a préféré prendre cette distance. C'est dommage, un peu plus, ça rate le side B sur le ballon, ça va pas envoyer sur lui. Atlee, ça fait un peu de dépense. Un joli backer, le chien qui l'a un peu sauvé. Belle dégâts par contre de la part de Yatta. Le petit UV qui touche, ça fait bonne C. Non, la petite roll, hein. Le grab F-throw, ça va suffire en même temps. 200 et quelques pourcentages, je veux dire, bord droit du stage. On fait la grab dans le vide au bout d'un moment. Il y a bien des morts qui vont se faire. Le petit neutral qui passe bien, un bon coup de la part de Wifit. Malheureusement, Yatta qui a du mal à envoyer les boules en fait. Il fait des caps où il touche son adversaire, mais pas le projectile. Du coup, ça n'a pas l'effet, je pense, 100% escompté, malheureusement, de sa part. C'est un peu dommage. Ils sont un peu autour, ça se cherche. Oh, il n'a pas le temps. Donne son top B. Ça se fera pas à tuer ce gars. Du coup, grand profit pour faire son top B. Il sort juste un peu sa petite fit. Ah, Yatta, il l'avait cette roulade. Il l'avait, il est revenu juste comme ça tout à l'heure, Sinogara. Là, il l'avait, malheureusement, il l'a raté d'un rien. C'est un peu dommage. Ça cherche le backer, mais ça ne l'aura pas. Sinogara qui trouve le grab par contre. Et c'est passé avec la boule, parce qu'elle était mangée par le buisson. Le petit backer, malheureusement, un peu light. Il ne tuera pas Sinogara. Il pisse dessus, ça ne suffira pas encore. Un edgeguard long. C'est Sinogara du coup qui avait un centre juste avec ce ballon qui a même couvert un peu sa reco. Ah, cette fois-ci c'est bleu pleine tête, hein. Là il n'y avait pas de cap, il n'y avait rien. La petite boule de feu cross-up sur le bouclier, au moins un piste qui passe loin derrière, il passe loin un backer et le trade à ce pourcentage. Si c'est pas ça qui va lui amener la victoire, malheureusement, joli de la prod de la part de 2-0. Du coup. Si meuf, bien joué. J'ai vu, il y avait l'effort. Alors, vous trouvez. El Piero, du coup, qui demande pour avoir des gens à choper, du coup, les gens sur stream. Du coup, on est 15, on n'est pas beaucoup, certes, mais il y a quand même du niveau. Il y a pas mal de gros joueurs que vous allez revoir très régulièrement. Notamment, du coup, on parlait de les Fila, Gila, Yatta, du Sud principalement. Quand on pense à Lyon, on va penser beaucoup à tout ce qui va être Yoyot, Kessa par exemple, qui eux, enfin c'est Sneko Sidney, ce qui est pas dégoûtant, qu'on va très souvent voir assez régulièrement sur ce stream. Je pense à l'occasion de bien les voir de toute façon. D'ailleurs, l'équipe lyonnaise, hein, qui, à ce que j'ai cru comprendre, a roulé sur Marseille, à part Nice qui a fait le mur, bien joué Nice. Tout le reste des Marseillais, ils sont fait rouler dessus par les Lyonnais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, donc Evdine face à Yatta, Wario face à Mario. Je sens que ma foule est manguée complètement 15 fois au milieu de ce match. Ça va être un scandale. Je vous présente mes excuses d'avance si je me trompe de nom dans les personnages. Hein. Ça risque d'arriver, je veux dire, des fois que. Ça fait les counterpicks, ça prépare. Le micro, ça fait aussi des bruits horribles comme si tu tapais dedans. Alors, est-ce que c'est parce que je prononce
certaines syllabes un peu trop prononcées, genre justement tout ce qui est ps ou enfin les genres de bêtises. Si jamais c'est le cas, je prends mes excuses, que on sait qu'il y a un grésillement de base pour les impacts. Je t'avoue que je tape pas sur le micro pourtant. Alors, Yata qui coince l'adversaire sur le bord pour le moment des petits jabs. Ça c'était propre ça par contre hein. Le grand saut cap mine de rien, ça lui a permis du coup de couvrir aussi le grand saut de Wario. On a vu Wario qui est venu avec sa poteau. Il a couvert dessus et très vite le grand saut d'air pour recouvrir encore par dessus. C'était pas trop mal quand il y avait Venom qui essayait de remonter par le dessus. C'était bien couvert. Bien tes petits mix-up, genre juste un jab pour couvrir et graver, malheureusement c'est pas passé. Et Veden qui a fait une belle roulade là par contre, malheureusement il a testé son petit périverse pour manger. Je sais pas s'il veut juste décaler et pas être au-dessus de son adversaire. En tout cas, Yata a bien suivi, joli up ce match juste à l'atterrissage comme il fallait. Ça prend la stock. La stock tombe pas malheureusement, ça le tombe de son shield, ça punit direct, ça tombe le shield à l'atterrissage. Mais Yata qui se jette bien dans le vide, qui va bien prendre ses distances, essayer de challenger Wario, on va dire un peu dans le vide. Si tu veux venir me voir, viens Medjiard Bichette. Moi j'ai un demi qui reste tout de suite pote et qui est bien prioritaire. Bon, la classique en plus, ça monte sur cette plateforme, donc il prend de la hauteur, ça lui permet de placer le petit up smash. Le PRB juste derrière, ça sera pas suffisant pour tuer son adversaire, mais ça a mis des gros pourcentages. Joli cross up avec ce neutral air, il tombe juste sur la tête du bouclier un peu en arrière. Là, Wario qui doit faire absolument un short up neutral air par exemple. Pour... Oh, c'était sale. Ça a tenté un double saut faire pour revenir sur le terrain, mais si on me couvrir un peu, malheureusement, c'est pas monté assez haut, c'est pas revenu sur le stage. Le short up qui passe juste au-dessus du fer. Patate, on prend la stock, propre de Yata. Yata qui encore une fois est parti pour 3-5 son adversaire. Tiens, c'est le deuxième match que je regarde, deuxième match que Yata il a deux doigts de... Oh, ça complètement lit son adversaire à 3 km, il voit la roulade, lui pète dessus à l'arrivée. Le manque de respect le plus total de la part du Wario. Petite roulade, c'est pas trop mal, donc il se coince un peu sur le bord. Ça c'était joli, au moins ça va permettre de gagner un peu de distance, de gagner le terrain avec ce B neutral. Bien qu'il était sur le coin, il l'a chopé, il le repousse derrière. Le perd le B, ça ne suffira pas. Petite ligne extérieure suffira à survivre. Bien que le stage ait une base zone assez basse, ça fait assez peur, assez facilement je trouve, sur deux combos avec Mario. Ça tente de les faire un peu oser, mais at least là où c'était malin avec ce fer, c'est que ça a forcé l'adversaire à faire son deuxième saut. Il était coincé dans les airs et du coup il pouvait continuer d'avoir le contrôle du match. C'était bourrin ça, c'était bourrin, mais Vedain il reste sur son bouclier, il a bien attendu. Là bon, le smash chargé un peu bourrin, joli de la part des Vedain. Ça ne suffira pas malheureusement à prendre la stock de Yata, bien que c'était pas trop loin, le petit coup de roue. L'Astro, Yata qui se jette sur cette zone, toujours avec ce forward air. Ça se prend un air toujours vivant là par contre, la petite cape, et c'est non. Et Vedain qui est chaud faire son comeback, il est maintenant dans une situation de one stop match. Certes, il a énormément de pourcentage, cette backstroke ne suffira pas à le tuer par contre, mais il y a un début de comeback qui se fait, ça fait plaisir. Petit repère qui passe, pas le deuxième. Ah, oh, le smash un peu ballsy, hein. Il a eu le temps de sauter par-dessus le back air, et c'est là où on voit un des défauts de Mario, hein, son manque de kill move. Mon dieu, quand les pourcentages élevés sont atteints, mon dieu que c'est dur d'en finir, mon dieu que c'est long. Joli neutral, ça suffira toujours pas à 180. Ça attend, il attendait, je pense qu'il avait mindé au début de la roulade. Oh, joli F-Match, c'était propre ça. Par contre, je pense que Evidem, heureusement, a fait un F-Match, il avait incliné vers le bas. S'il avait fait vers l'avant, justement qu'il avait sorti en avance, je pense qu'il l'aurait gagné en portée. Malheureusement, quand il l'a orienté, le smash de Yata est passé. Du coup, ce que je veux dire, ça, c'est le gros problème de Mario. Enfin, ça, vous le savez, hein, c'est le manque du kill move. On l'a vu, je veux dire, pour Mario, c'est un peu vite fait lourd. Forcément, ça tombe à des 180%, ça prend 15 plombs pour tuer l'adversaire. C'est un peu un scandale. Oh, y'en a Galfar. Vraiment désolé hein, pour le son. Hein. Pierrot est là derrière et il tente de faire ce qu'il peut, je vous assure. Mais malheureusement, on fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, ce sera ce casque micro. Après, j'ai vu que remarque qu'il y avait peut-être d'autres casques micro. Ah, y a des solutions qui se trouvent pour le micro. On va peut-être changer de micro. Écoutez, à la fin de ce match, messieurs dames, nous allons couper le stream un petit instant pour tenter un autre micro. Donc on va tenter ça. Et écoutez, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Comme ça, on se sent si bien.
pendant ce temps-là, Yata il a fait sa petite stock, hein, il a fait un beau mind, une belle lecture sur la relevée de Everdine normal avec un juste match avant comme il fallait, Peter. Je crois qu'il n'y a plus deux épisodes d'Everdine malheureusement. Il a eu le temps de toucher le trade au milieu de Uptilt, ça n'a pas suffi. Encore une fois, malheureusement, le match, hein, je pense qu'il a soit mindé une esquivérienne ou quoi. Alors qu'Everdine vise très régulièrement les trades. Yata c'est vrai quand même une esquivérienne, la petite roulade, ça ne passera pas malheureusement, ça se cherche au moins, il se colle, là il le coince sur ce bord, mais Everdine, je lui attends ça, j'en fais au moins ça repousse l'attaque, c'est peut-être élancé un peu trop vite avec ce forward air, avec ce nerf, pardon, malheureusement. Oh, ce ups, ce ups match qui fait mal, hein. Est-ce qu'il y va? Non, il feinte un peu joli dash attaque par contre. Joli backer, c'est un peu l'edgeguard, mais dans Everdine, qui a commencé à feinter d'aller dans le vide, Yata qui a pris un peu peur, qui a vite pris ses distances. Finalement, il est, finalement, Yata a vu qu'il était en confiance, il est revenu, il a choisi la recouvre par le haut, qui n'était pas forcément la meilleure solution parce que sur ce jeu. Donc il a préféré une recouvre vers le haut, là par contre, du coup la dash attack a couvert juste avant qu'il touche l'edge, il s'est fait repousser. Yata a pris un gros risque avec ce forward air où il avait énormément de temps par contre avant d'atterrir. S'il avait tué, ça aurait été sale, je veux dire, il prenait une kill, peut-être pas remarqué, pas énorme pourcentage. Mais du coup, malheureusement, c'est beaucoup trop lent, en vrai, il a eu le temps de se glisser et mettre taper. Le petit air comme ça en gros sub, j'aime beaucoup aussi, ça c'était propre par contre, hein. Là il était suffisamment haut pour ne pas se faire trade justement si Everdine choisissait de faire un coup, son up smash passait, s'il essayait de faire une skiverienne, il avait le temps de le charger, c'était un très bon timing de la part de Yata. Oh, ce P au milieu de la zizanie de tous les coups, c'était très propre. Par contre Yata également fait un bon choix, bon il l'a fait mieux son adversaire, il a fait un grand sub très l'air très vite. Si jamais il faisait une tech roll, il le touchait pas, mais il avait le temps de réagir et de se décaler, être un peu safe. Si jamais il techait pas comme là, il l'a touché, si jamais il techait sur pas, je pense que pareil, il avait de moyens de faire quand même une suppression derrière. En tout cas, il y avait une idée. Ça roule dans la bouche. Joli up smash, par contre, il le pousse. Il le force à sauter, hein. C'était une roulade, de toute façon, il avait le temps de faire un up smash. Et Wario n'aurait rien pu faire. Et là, c'était très propre, il le feinte avec ses EPR, il le force à travailler son recours, il le tend, il le bait en plus, hein, sur cette courbe, à dire viens atterrir sur moi bichette, regarde je te rate avec mon EPR, up smash à l'atterrissage. Messieurs dames, on coupe le stream un tout petit